Oh, c'est fort. Oh, le jeu est fort. Allez, petit jeu de merde, là. Petit jeu de merde. On sait que c'est la faute des graphismes du jeu, ça explose. Voilà, c'est ça. Exactement. Non, c'est Twitch qui est bourré. Tu vois pourquoi? Apparemment, ils ont des gros soucis, là. Et j'ai des copains streamers qui se sont fait déco cet après-midi. Intolérable. Mais le support Twitch a dit qu'ils investiguaient sur le problème. Je vais juste passer mon OBS en plein écran parce qu'il fait n'importe quoi là. Ok, donc j'étais revenu là. Oh ça y est, je sais plus ce que je fais. Je sais plus pourquoi j'ai lancé ce jeu. ça y est, le mec a tout oublié. Alors. J'ai pré-shot mes vidéos, ça y est, je sais plus. Bon bah si ça freeze pendant que je lance une vidéo, hein, vous le savez. Attendez. Quelle indignité. Non, c'est bon, j'ai pensé à le faire, c'est bien. Le mec est fort. J'ai rien à faire ici, hein. Ah si, il faut... Absolument tous les trucs du lore débile. Force plus 2, ah putain, mais ça c'est honteux en fait. Et alors attendez voir, parce que... je sais pas si je suis à jour, non mais j'ai 0 points. Et mon XP, ça en est où là? Je peux le voir ça ou j'ai pas le droit? Attendez. C'est où l'XP? Est-ce que je peux le voir? Ah, je peux pas le voir? Mais ma vie est immonde. C'est... Ok. Ah mais bon délire, je le vis super bien. Non mais ça, de toute façon, on sait très bien que ça marchera pas, plan cul. Pourquoi le jeu est lent, là? Ça frise chez vous aussi? Je sais pas pourquoi, chez moi, il a l'air en PLS. La gueule! Oui, bah au fond de l'océan, si tu veux, ma vieille. Ok, donc j'ai rechargé mes potions. Ah non, attendez, je vais aller recharger les potions de régène aussi, parce que ça, c'est intolérable. Je peux pas laisser ça traîner. Et puis on va commencer par aller faire l'énigme. L'énigme infernale, là. Vous vous souvenez de cette énigme infernale? En fait, n'en était pas vraiment une. Non mais tout ça, c'est bon, ça. Le problème, c'est que je peux pas... Ouais, ça, c'est chiant, quoi. C'est relou, quoi. Ok. Potion de lyrium, je m'en sers jamais, mais en définitive, faudrait, parce que ça me file... Et attendez, mais ça... Ah oui, non, ça, c'est pas un passif. Il va falloir que je m'y fasse, hein. C'est pas évident, hein. Le jeu est compliqué, le jeu... cherche des noises. Ok. Non, mais c'est ok, tiens. Arrêtez de me juger. Mais qu'est-ce que... J'ai l'impression que le jeu galère, ça me trigerde. Attendez. Allô? Allô le... J'ai même pas le droit à ça? Ah si, putain, je comprenais pas. Ouais, non mais le jeu a des FPS dégueulasses. Et si je sors là, je... C'est intolérable, mais pourquoi le jeu descend à 40 FPS? Ça me rend ouf. Attendez. Je suis désolé, petit incident technique, hein, mais... C'est indépendant de ma volonté, vous le savez très bien. Est-ce que je mettrais pas la V-Sync? Dragon Age Inquisition. Salut Raptor, ça roule. Ouais, jeu de merde. Jeu des enfers, quoi. Enfin, DLC des enfers, plutôt. Petit chage. Elle est pas on? Ah non, ok. Je vais la mettre. On pourra peut-être sauver les meubles. D'habitude on aime pas ça parce que ça limite, ça cap à 60 FPS, mais là, c'est vrai que le jeu me déteste, je suis pas sûr que ce soit vraiment un problème. Le jeu le plus buggé auquel j'ai jamais joué. Ah, j'irai peut-être pas jusqu'à dire ça, mais ah, il a des choses à se reprocher. Putain mais cool ce suprémaciste blanc, quel enfer. Il a des choses à se reprocher quoi. Il y a clairement, voilà, il y a des choses qu'on aurait pu éviter quoi. Alors attendez voir, il faut que je retourne faire l'énigme nulle dans la bibliothèque. Ah oui, c'est au bout du monde en plus. Hein. C'est vraiment à l'autre bout du monde. Ah mais c'est ok, tiens. Ah si, Twitch est pété, hein. Là j'ai les stats en PLS, c'est n'importe quoi. Je peux me vénère, je suis sûr de pas me vénère. Je sens que j'ai vraiment choisi mon bon soir pour streamer. C'est parfait, j'adore. Vous me direz si ça explose chez vous. Hein. Ah d'ailleurs, j'ai complètement oublié, merci Punchanken pour ton follow. Merci infiniment. Et j'oublie de... Les follow off-stream, j'oublie complètement de les dire, c'est intolérable. Ah non, c'est bon, c'est revenu. Cool suprémaciste blanc, tu m'as tué. Comment tu trouves le DLC? Je l'ai pas fait. Ah, quand tu le fais la première fois, ça va. Quand tu le fais la deuxième fois, c'est vraiment chiant tiers, quoi. C'est vraiment chiant au possible.
En fait, le truc, c'est que quand tu le fais la première fois, t'es saucé parce que tu te dis, ah, c'est cool, je vais enfin avoir la vraie fin de Dragon Age. Oui, parce que le jeu est en kit. But dans les faits. Petit coucou, salut Soko, ça roule. Mais dans les faits, c'est chiant parce que quand tu le refais, en fait. Dragon Age, tellement fan. Bah, j'aime beaucoup, mais là, je t'avoue que le DLC, je suis moins chaud. Hein? Enfin, après, Inquisition, c'est le seul que j'ai fait, hein, les autres. Attendez, on peut aller par là? Oh là. Oh le planque. Quoi? Quoi? What the fuck? Cette fin m'a laissé tellement sur ma faim. Bah en fait la fin m'a pas tellement trigerde, c'est pas le problème, elle est bien. Enfin, c'est un très bon teasing pour le 4. C'est juste que bon bah c'est en kit quoi. Salut Miyu, ça roule? Premier reste mon préféré, je pense. J'ai jamais accroché au premier. Mais genre je le hais, je pense. C'est quoi ça? Ah, c'est un shield. Mais j'ai pas l'argent. J'ai si peu d'argent. Attendez, j'ai peut-être des trucs à vendre parce que j'ai quand même beaucoup de merde là-dedans. Je peux comprendre. Génial le 1. Et moi j'ai pas du tout accroché, trop tactical pour moi. Mais après je comprends, tu vois. Je considère pas qu'il est mauvais, je considère juste que je suis pas du tout public du truc. Mais en soi je sais qu'il a énormément de qualité, qu'il a été loué pour ça et c'est très bien. Mais non, le DLC en fait il est chiant parce que il coûte 15 balles. Tu dois avoir 6 heures de durée de vie, mais tu sens qu'en vrai, il y avait 2 heures de contenu et qu'ils ont forcé de ouf pour rallonger le gameplay artificiellement. Et la vérité, c'est qu'on s'emmerde un peu quand même. La vérité, c'est qu'on se fait un peu chier, quoi. Et c'est dommage, parce qu'il y avait matière à faire des trucs incroyables. Oh putain, trop frite. C'est vrai que je pourrais vendre mon armure, mais elle vaut rien, ok. Super, quoi. Aïe, oui, en effet. Et du coup, moi, c'est ça qui me vénère un peu. Parce que en soi, ils sont bons scénaristes BioWare et ils sont tout à fait capables de faire un DLC qui se tient et qui dure 6 heures, but pour 6 vraies heures. Et là, bon, bah non, ils se sont juste dit, bah, vas-y, on va acheter la commu, quoi. Non, c'est là, oh là là, oh là ça y est, j'ai déjà du père. Alors, il faut que je fasse l'énigme de la bibliothèque de ces morts. Voilà, et là, on va plus s'amuser, quoi. J'ai préféré l'autre DLC, même si avec les Kunaris, ça aurait pu envoyer du lourd, mais ouais, grave. Ah non, mais ils se foutent de... Ils me remettent les bibliothécaires? Non, mais c'est intolérable, ce qui se passe, là. Ils me les remettent? Et je peux pas... Ma vie est dégueulasse. Je vous le dis, ma vie est vraiment... Je sais plus jouer au jeu en plus, hein, c'est intolérable. Ma vie est dégueulasse. Mais ouais, les... Surtout que le DLC La Descente était vraiment stylé. Du coup, je comprends pas le choix. Et du coup, ça va reset mes potions? Ouais, c'est pas grave. Je repartirai à Force Céleste. Enfin, voilà quoi, vous m'avez compris. Ce lieu des enfers. Non mais clairement, le jeu me déteste. Hein. C'est honteux. Ouais, c'est bien, là, il reste taqué. J'ai l'impression que Bull, il chope bien son aggro. Peut-être qu'avec des potions, en fait, c'est facile. Oh là! Oh la raclure de bidet! Ok, ok. Non, mais je reste frais. Pour l'instant, c'est sous contrôle. Ça leur fait très mal, le feu, hein. Ouais, ouais. Gigoche, toi. On en a... Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Mais putain, mais... Pardon. Je sais pas pourquoi mon clavier perdait totalement le contrôle. Il y a eu un pétage de plomb évident. Ah, les araignées de merde. Ah, les araignées de mort. Je suis pas mort. Je reste frais, tout va bien. J'ai l'impression que l'électrocution, c'est pas super efficace contre eux, hein. Oh là là. Oh là là. C'est... Oh, putain, ça commence... Oh putain. À quand un nouveau carré? Morrigan jouable. Ah, le jeu me déteste. Oh, c'est infernal, hein. Bah après, oui, faudrait pas que j'oublie que j'ai cette alors, je me sers pas assez de la pose tactique, c'est contrôle, ouais. Je me sers pas assez de la pose tactique et j'utilise pas assez la décharge de l'encre. Parce que la décharge de l'encre est un truc incroyable. Mais par contre, ils abusent, ils craquent totalement de me remettre le mini-boss. Ah, oh, ils saoulent, quoi. Je les ai défoncés la dernière fois, quoi. Vous êtes vraiment pas obligés de me pourrir en les remettant, quoi. Attendez, il y a des trucs à explorer là-bas. Ah non, mais c'est ça, c'est cette merde là où on était tout à l'heure. C'est qui lui? Ok, je vais pas m'énerver. Mais c'est vrai que l'autre DLC, la descente, il était vraiment cool. Alors après, le.
Celui dans la jungle là, il était pas sympa, mais pas dingo non plus, quoi. Ah, mais il faut que je me serve beaucoup plus de ça, ça leur fait super mal. Pas du tout. Vas-y, stackez-les là, stackez-les un peu là, qu'on rigole. C'est quoi, j'ai trop de menaces, c'est ça le. Oh la raclure, je l'ai vu venir, j'ai pas eu le temps. Putain, y'a de l'ambiance dans ces boîtes jaunes. Hein. Ah, j'ai beaucoup aimé moi. Ouais, il était cool. Ah, il était. Il était un peu facile. En termes de scénario, c'était pas dingo, mais. Mais ça se laissait suivre. Sincèrement, je suis comme toi, je me sers jamais du tactique. Bah ouais, mais il faut en fait. Ne serait-ce que pour envoyer les sbires aller. Aller ressusciter les autres. Ça, en vrai, c'est le meilleur plan, quoi. Ah, oh, je me fais. Mais je m'en fous de plein le cul! C'est intolérable ce qui. Oui, bah, Malash Scélérat, t'es mort là. Oh là là, quel bordel! Quel bordel! J'en ai marre de ce jeu de merde. Non. Il est sorti, évidemment, il est sorti. Mais c'est. C'est pas possible, mais c'est pas possible, mais quel jeu de merde! Oh là là, je suis désolé, je perds le contrôle. Je perds le contrôle de ma vie. C'est intolérable. C'est des propos intolérables, il n'y a pas de tolérance. Ah non, là, il n'y a plus de tolérance, là, à ce niveau-là. Je l'achète Day One. Dragon Age 4? Putain, moi j'attends. Hein. Dragon Age 4, Non, j'achète pas Day One, hein, parce que les jeux Day One, je connais l'embrouille maintenant. Je connais l'embrouille. Hein. À Dishonored 2, entre parenthèses, je suis étonné de voir du gameplay. Tu m'avais habitué à moins de ce jeu. Bah ouais. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Hein. Ne jugez pas trop le streamer. Alors. Il est très important de pas faire de la merde. Je peux en target un là? Ok. Donc là. Là ça va bourrer. Paf. Petite. Mais ça fait masse de dégâts, faut que j'arrête de le mettre, de le balancer dans le void. Gigo, bon live, courage. Merci beaucoup Soko, merci beaucoup d'être venu, des bisous. Je suis dead 1000 fois dans ce DLC, non mais c'est intolérable. Des bisous Soko et à la prochaine, merci infiniment. Ah ouais, Geoffroy roux de mes yeux quoi. Direct les embrouilles quoi. Vas-y, viens. Et mange tes morts. Avec plaisir, des bisous. Salut mon pote. Salut mon. Petit Michel là. Ah non mais. Vous me faites chier en fait. Vous me faites chier, tu me fais chier, tu m'emmerdes. Oh là 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 là. Je joue pas assez tactique. Vas-y, décharge l'encre. Oh là là, le pire bordel. Le pire bordel ce jeu. Et là, vous imaginez, ils me le remettent à la sortie. Je vais faire l'énigme, je reviens, ils sont re-là. J'ai pas envie de me vénère, mais ça va me trigger. Non, si je passe déjà 25 minutes sur ce combat de merde, la dernière fois je l'ai réussi, je sais pas comment. Il a craché là le jeu? J'entends la musique en boucle. Je sais pas si je peux faire des prédictions. Si je peux commencer une prédiction. Ah merde, je voulais mettre le truc oui, ou alors oui, mais les Français ne le comprennent pas. Jamais fait de prédiction encore. J'ai compris, c'est bon. Petite prédiction, hein, si vous voulez parier vos points de chaîne, est-ce que selon vous le jeu est buggé ou pas? Ah, si vous voulez vraiment gagner des points de chaîne, c'est le moment de faire des paris les gars. Le jeu a craché. Hein. Ah, le jeu a craché, c'est terrible. Je vous laisse le temps de prédire. Oh là là, mais je déteste ce jeu de merde. C'est intolérable. Ah, mais personne ne parie, quoi. C'est fou, ça. Vous êtes une commu bien trop gentille.
Normalement, les gens, ils mettent 1 million de points, là, pour me trigger un ASMR. Mais pas du tout. Mais vous êtes fous. Oh là là, j'en ai plein les culs de ce jeu. Il reste 8 secondes, hein, si vous voulez parier des points de chaîne, c'est maintenant. Ah là là, je choisissais le résultat de la prédiction. Moi, je pense que c'est oui, mais en rose. Voilà. Et bah salut le jeu. Petit contrôle à le sub du plaisir, là. Hop. Fin de tâche. On adore. Oh, si. Ok. Bonsoir. Salut Aslem. Ça roule. Ok, alors le jeu a déjà crashé, ça, déjà. C'est un grand plaisir. Du coup, je sais pas où il va me ramener. J'espère au début de la zone. Putain, j'en ai déjà plein le cul, quoi. Ça a pas commencé que ça me fait déjà chier. Vous vous rendez compte de ça? Quelle pensée intolérable. Dap, ça marche sur tel, mais je n'ai rien. Ah merde! J'avais pas vu. Ce DLC est vraiment maudit, c'est clair, il est cursed. Ça roule et toi? Oui, ça va. Ça va tranquille. Ça va tranquille, je lance mon live, le jeu crash. J'adore. Ça, c'est toujours beaucoup de plaisir, vous le savez. On est avant tout là pour se faire chier. Vous connaissez le... Hello, Sean Squamat, adepte de la questionnette. Salut, Adaliante, ça roule. Commence bien, dis donc. Ah ouais, non, mais là, le live est... C'est cursed. Dès le départ, c'est cursed. En plus, il paraît que Twitch est pété. Et que c'est full buggé de partout pour tout le monde. On n'est pas rendu, hein, moi, je vous le dis. On n'est pas rendu dans cette histoire. Hein. Bon, il a eu au moins la décence de me remettre au début de la zone. Ah, oh, ça va me saouler. En plus de ça, je crois qu'il faut faire toutes les énigmes pour avoir le... le live en mode qui sur la commode, c'est ça. Ah ouais, non, mais comme dit Miyu, le DLC est vraiment cursed, quoi. Le truc veut vraiment ma mort. C'est infernal. Ok, bon, j'y retourne et je vais encore me faire défoncer. Hein. Vous êtes prêts? Attendez, mais d'ailleurs, dans mon inventaire, j'ai pas des trucs mieux pour mes sbires, là. Parce que là, ils ont des trucs... Enfin, peut-être que je lui mette un bouclier à lui, en fait. Si je veux le passer vraiment en mode tank, parce que là j'ai dû vraiment le passer en mode... Attendez, on va essayer ça. Ouh. T'as une main ça? Ouais, ça a une main. Ah bah, et certitude. Ah non, à deux mains. Ok. On va essayer de le mettre en mode... Mode tank pour voir s'il tank, parce que c'est peut-être là mon erreur. Peut-être ça mon erreur. Ok. Donc là, on va attendre qu'ils aggro. Pour lâcher un petit... alors, direct les ambiances, direct ça m'attaque moi. Et là, paf, la pastèque. Ça, j'aurais dû attendre qu'ils viennent beaucoup plus au contact. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Ah non, mais les araignées de mort, là. C'est honteux. Par contre, c'est les gros qu'il faut aggro boule. Hein. Je sais pas ce que t'as vu, je sais pas ce que t'as fait. C'est que t'as vécu des choses difficiles, mais enfin là... Oh là là. Ah, ça, ça fait très mal. Hein. Ça, ça fait affreusement mal. Encore ? Faut optimiser ses sbires, sinon les combats durent 1000 ans. Alors que tu peux le baisser à 997, oui, c'est ça. Ah, ils sont tous morts ! J'ai encore des potions, j'ai encore des potions. Tout, à ce stade de la partie, tout est possible, messieurs, dames. Vous le savez. Petite cache statique. Petite décharge de l'encre, là. Je sais pas ce qu'il faut pour. Visibly, le jeu me déteste. Pourtant, je suis pas du genre à critiquer, mais... Toujours à trouver des points positifs, mais là, il est dur et assez répétitif comme DLC, contrairement au jeu de base qui est prenant. Bah oui, c'est ça qui est chiant, c'est que j'adore le jeu de base. Mais là, positif, j'y bug aussi. Tu veux dire que tu es DLC tiers? Ouais, non, mais le jeu de base, il est incroyable. Mais là, bon, voilà. Voilà, quoi. J'aurais pas payé 15 balles, c'était pour me faire chier dans la bouche, quoi. J'aurais fait autre chose. Sûrement plus cher, d'ailleurs. Alors, attendez.
je peux donner des ordres tactiques. En vrai, je commence à regretter Black Hole, hein, parce que Black Hole, il tankait mille fois mieux que ça. Hein. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être ma compo d'équipe le problème. Parce que Bull, c'est bien beau, mais Bull, il tanque rien. On va attendre qu'ils aggro. Je vais déjà générer de la menace pour qu'ils viennent sur moi. Comme ça, je leur mets une petite décharge de l'encre. Vas-y, viens. Venez, venez, venez. Cache statique, là, à ce stade, c'était peut-être pas nécessaire. Voilà, et là, quand ils sont bien stackés, paf. Alors ça fait un peu mal, quand même. C'est bien. C'est pas dingue, mais ça fait un peu le taf. S'il y avait un nazi et un DLC dans une pièce, que j'avais deux balles, je tirais sur le DLC deux fois. Mais putain, mais comment c'est possible qu'ils meurent tous aussi vite, quoi? Expliquez-moi, je vous en conjure. Faites quelque chose. Oh là là, ce jeu de merde. Mais ta cache statique, espèce de conne. C'est super chiant. Attendez, parce que vous pensez que si je fais une raise là, je peux espérer raise un membre du groupe ou c'est compliqué? Visiblement, le jeu veut pas. Hein. Le jeu a pas envie que je joue, visiblement. Putain. S'il y avait des cheat codes là, vraiment, je les activerais. Je me mettrais en mode invincible parce que. C'est juste infaisable, quoi, en fait. Après, je sais que mon perso est pas le mieux. Enfin, que mon build est dégueulasse, mais quand même, quoi. En vrai, si ça repasse pas, je rechange et je prends Black Hole, quoi. Black Hole, au moins, il tankait. Parce qu'on dit Black Hole, pire tank du jeu, mais là, boule, je sais pas ce qu'il fait, hein. Par se toucher les boules, peut-être. Pardon. Et là, attendez. Ah non, je peux y passer pendant une demi-seconde, en fait. Tout le bail est là. C'est une soirée à thème, la souffrance. Je suis pas au courant, c'était pas marqué dans ton planning. Bah, moi non plus, j'étais pas au courant. Mais putain, mais reste dans la cage statique, connard. Pardon. Je perds un peu mes moyens, mais c'est parce que le jeu me déteste. Bah ouais, mais il me saoule aussi. Voilà, tiens, dégage. Rentre chez ta mère, là. Putain, j'en ai plein le cul. Mais pourquoi 4? Ils sont déjà imbutables. Seuls, ils sont déjà imbutables. Oh, je vais rechercher... Non, mais vas-y, bute-toi. Vas-y, c'est bien, bute-toi. Mais j'en ai plein le cul de ce jeu, c'est hallucinant. Je vais reprendre Boule, je vais reprendre Black Hole, hein. Je vais vraiment reprendre Black Hole, parce que là, c'est juste pas jouable, quoi. C'est juste vraiment pas jouable. J'ai pas envie de m'énerver, mais... Non, ça va finir par tomber, quoi, au bout d'un moment, là... Il y a une évidente vexation, quoi. Ok, je reste frais. Je reste frais vite fait, quand même. Hein. Sinon, En fait, j'ai pas envie de niquer le... Merde, j'avais pas vu le message de Mii. Déjà que je comprends pas pourquoi la vraie fin est dans un DLC. Non, mais alors ça, c'est... ça, c'est honteux, ça. Ça, je comprends pas le projet. Bah, enfin, si, je comprends le projet, l'argent. Tout un maximum de pognon. Mais ouais, non, c'est chiant, quoi. C'est chiant, soyons honnêtes, c'est relou. Ok, bon, je repars, je change la compo d'équipe. Je remets le mur noir. Non, mais pas ce qu'on dit du mur noir, mais boule, il pue la merde, hein. Ouais, c'est bien. Boule, il pue le seum, quoi. Genre, il est dégueulasse, quoi. Ouais, c'est bien. Vas-y, reste à poil, connard.
Ah non, pardon, c'est plus le mur en or, c'est Tomb Rainier. Ah mais attendez, j'ai mis ça et c'est... Ok. Bah, j'ai pas mieux comme armure pour lui. C'est intolérable. Petit casque là, petit casque moche. Non, ça j'ai déjà fait. Accessoire, alors ça. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que je peux lui foutre d'autre comme... comme anneau là? Frappe vengeresse. J'aime pas s'il l'a... Ouais, le grappin c'est bien. Je vais aller voir les temps et règles des speedruns. Les temps en any percent est à 27 minutes et le All Dragon à 1h30. Et les règles précisent tout le temps sans les DLC. Même les speedrunners bootent cette purge. Bah oui, évidemment. T'inquiète pas, tu vas arriver. Y arriver, on croit en toi. Merci. Merci infiniment parce que là, là, il y en a besoin. Mais attendez, du coup. Quoi? Soirée à thème souffrance. Et on m'invite pas. Heureusement que je suis un bon gros sale squatter. La porte était ouverte, hein. Personne t'a interdit de rentrer, Léonard. Hein. Salut Léonard, j'espère que tu vas bien. Mais attendez, anthologie, mais pourquoi elle est... Le chant des marais, là, ça a l'air bien mieux. Ah non, mais pas tant que ça. C'est vrai que ça lui donne vachement de santé, anthologie. Hein. Vas-y, on va essayer dans cette config là. Si ça pue encore le sexe, je sais plus quoi faire. Dans ces cas-là, rembourser quoi. Au bout d'un moment. Voilà. Titre. Je peux m'énerver. Hein. Je vous jure que je reste frais. Je vous jure que je reste frais. Celle-là, c'est la bonne. Ah, mais alors attendez, il faut que j'améliore le Tomb Rainier. Du coup, comme il a pas joué pendant 1000 ans, il a des points. Il a du CPF à cramer, quoi. Voilà, c'est bien. Oh, putain. En vrai, on a fait le boss final en 2 secondes, genre beaucoup trop simple. À minuscule et des coiffures hippies, bonsoir. Bonsoir, Fox, j'espère que tu vas bien. Bienvenue. Bienvenue sur ce stream de l'emmerdement maximum. Évidemment. Et de l'indignité. Quelle indignité. Ça va bien, merci. Cool. Bon allez, JPEP là. On va se la faire cette bibliothèque de mort. Ah mais par contre, ils sont salauds de te remettre les boss quand tu sors quoi. C'est vraiment des chacals puants. Tout ça pour revenir dans une zone que j'ai même pas besoin d'aller. In fine. C'est... ça me... Salut mon pote! Salut mon pote! Ça, c'est intolérable, quoi. C'est intolérable. C'est vrai qu'on a le renard et le renard, là, hein, dans le... Il y a du fox dans le chat ce soir. Merci, j'adore Michel, évidemment. J'adore Michel. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Non, 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 oh là là, oh là là! Faut en profiter. Putain. Ah là là, JPP. Bon, allez. Et là, j'espère que le Black Wall, le mur noir. Putain, le mur noir, il a intérêt à performer. Hein. Parce que là, sinon, je le renvoie devant le tribunal direct. Hein. Dans 20, 30 000 ans, il y en aura plus. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir des problèmes à dire ça. C'est pour ça que je me suis repris. Hein. Vas-y, vas-y, viens là. Vas-y, viens, bâtard. Vas-y, vas-y, foutez-moi en plein le fion là. Là, vous pouvez. Enlever la vidéo et juste m'écouter souffrir. Et je vous jure que ça va ressembler à un boulard allemand, ça va être incroyable. Ça, vous allez pas vous y attendre. Hein. Putain, mais enfin un tank qui a de l'aggro, quoi. Ah, attention. Attention. Attention le strudel. Avec de la crème. Je veux m'enfuir. Oh, mais cassez-vous! Cache statique, j'aurais dû mettre la cache statique, je me déteste. Bon, Dorian, il pue toujours autant la merde, hein, mais ça c'est rassurant. On voit qu'il y a des choses qui changent pas, c'est bien. Mais déjà, j'ai l'impression de respirer un peu plus, quoi. Le mot noix, je confirme, c'est vrai.
Oh, je me suis fait défoncer. Ok. C'est le... Putain, on en a fait tomber un. C'est le moment de Varric. C'est le moment de Varric. Moi, j'y crois. Vas-y. Vas-y, raise-moi. Oh, le chacal. Oh, le chacal puant. Ouais. Tout se passait bien. Tout se passait pour le mieux. When suddenly... Started tout pieux la merde. Vas-y, 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 vas-y. Tu peux le tanker, ça. Tu peux le tanker. Vas-y, vas-y. C'est bien. Petite cache statique, là. Je peux pas caler une résurrection. À l'invincibilité, ça va aider, hein, je pense. Par contre, ils ont tellement de vie, c'est infernal. Bon, je vais faire le... Ok. Bon, ça ne marchera pas. Oh là 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 là, mais arrêtez de m'en foutre plein le cul! Pardon. Je suis désolé, je lis pas trop le chat, mais je vais revenir. Aïe, j'ai pas trop matinal, j'ai mal. Ah, c'est super. Oh, ce bolossage. Il y a eu une bolossède. Je peux pas en défoncer un là. Y'en a pas un qui est low life là. Mais si, lui là. Petite cache statique, petite cache statique. Je reste frais, je reste frais. Ok, il y en a un de mort, un de plus. Ok, vas-y, viens me raise, viens me raise. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Oh, le mur noir, il va pas tenir là. Il y a plus de potions de toute façon, donc c'est un peu mort. Hein. Pas se cacher que c'est un peu... Vas-y, mur noir, tiens-les. Moi, je vais aller reste Dorian, qui est visiblement en train de crever. Là. Mais invisible. Je suis désolé, je lis pas le chat. Hein. Je vais vous lire, je vous promets. Connard. Je les déteste. Ok. Il y a du mieux. Hein. Il y a du mieux, mais c'est pas encore ça. Mais déjà, ça tient plus. Déjà, c'est rassurant d'une certaine manière. Le problème, c'est que je connais pas ses compétences à l'autre con, là. Feu, ils aiment pas trop. Ah ouais, non, mais feu, ils sont dégueulasses, en fait. Faut que je les bourre avec ça. Ok. Ok, je reste frais, hein. Je reste frais. Toujours. Vas-y, ta gueule, toi. Tu me saoules. Non, non, mais garde l'aggro là-dessus. Garde l'aggro là-dessus. Oh là 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 là. Vas-y. Oh, Jesus Christ, the Lord. Ah, s'ils me les remettent à la sortie. Oh, je vous jure que je me... Je vais en finir, quoi. Si Michel nous regarde, on t'aime, c'est lui. Bah, évidemment, évidemment. GG, merci. Genre, tu connais les boulards allemands. J'ai une grande expérience. Sans doute, peut-être pas, mais... Ah, mais là, du coup... Ah oui, si, je peux caler une potion de régène avec un peu de bol. Dorian était bon dans le jeu. Il a failli se passer un drame, là. Dorian était bon dans le jeu de base. Mais le DLC ne lui fait pas de cadeau, non, c'est clair. Chacal puant, mais quelle référence, je te donne un 9 sur 10. Ah là là, il y a du Michel, hein. Là, il y a du Michel. Ah non, mais ça me saoule tellement. C'est infernal, quoi. Ce jeu des enfers. Du coup, j'ai claqué toutes mes potions. Ce qui veut dire qu'une fois que j'ai terminé l'énigme, il faut que je reparte à Force Céleste. Non, mais vous vous foutez de ma gueule, là, en fait. On en est là, quoi. On en est vraiment là, quoi. Ok. Non, mais je le vis super bien. Et si là, je meurs et que je dois me retaper le combat, des barres. Des barres de lol, quoi. La bibliothèque égale enfer. Ah ouais, au minimum, ouais.
Si c'est pas ça, c'est pas moi. Ça va, là on tient, là on... solide. Pourquoi il me l'a mis dans le void, là, en fait? Ok, je reste frais. Ah, la musique qui en fait des caisses. C'est le retour de la musique qui en fait des caisses. Pouet. Caché. Faut que j'en serve plus de ça, hein. Ça leur fait très mal, ça. Oh oui, le petit combo, là. J'ai vu quelques galipettes en Allemagne. Ouf. Oh. Michel, si tu nous regardes, ne regarde pas la scène de la bibliothèque des enfers. Ah non, mais Michel, tu peux skip, hein. Tu peux skip, franchement. T'es pas obligé de check this out, comme dirait Keanu Reeves. Check this out! Ok, les archi... Attendez, je suis au bon endroit, là? Je connais pas. Quoi? Ah si, attendez. Michel, si tu nous regardes... C'est que t'es un gros dégueulasse. Attendez, mais... Je suis censé aller où, là? J'en ai plein le cul. Attendez-moi bien. Hein. J'en ai plein le huc. Qu'est-ce qu'il me fout dans Ryan, là? C'est... Ok. Non, mais si. Mais je sais juste plus où c'est. Et quoi, il faut que je passe derrière, c'est ça? C'est de l'autre côté, là-bas? Oh là là, oh la vache. En plus, pour le même prix, on a Kenny en plus, quoi. C'est clair. Mais attendez, mais c'est où? J'ai pas pris le bon portail? C'était pas celui-ci? Ah si, attendez, ces trucs-là, ça a pas un... Non? Avec de la chance, on va avoir les charlots. Hein? Attendez, j'ai pas pris le bon... J'essaie de rester frais. Hein. Parce qu'il y en a deux, des éluviennes. J'ai pas pris le bon? Oh non, si, là, s'ils me les remettent, j'ai envie de me buter, quoi. Attendez, j'ai pas une carte, là, pour m'aider à me sortir de ce bordel, là? J'ai commandé un stream deck, j'ai craqué. Ah, c'est... Tu le regretteras pas, hein. Je te le dis. Censé aller où? Je comprends plus rien à ce jeu de merde. Attends, mais je suis arrivé par là. Ça c'est ok tiers. Oh, putain, mais ce niveau de merde intolérable. Là, je vais redescendre par là. Oh, je suis complètement dupé en plus. Hein. La carte là, je veux ma mort, quoi. Ok. Pêche, c'est quand même gentil d'avoir laissé la carte au stagiaire. Quoi? Ah oui, ouais, bah c'est clair que là, vu le taf, moi je l'aurais tâche direct. Hein. Le mec, il me montre ça, dans son rapport de stage, je lui mets moins 20. Charlot, Michel, s'extrait de la comédie romantique de Steven Seagal. Oh, ah non, me dites pas que, par pitié. Ok, c'est bon. Ok, tout est pardonné. Donc quoi, c'est dans celui-ci du coup? Quelle énigme à la con? Ah ouais, sûrement. Oh non, mais non, mais non, mais pas encore. Ils sont où? Ok, nulle part, visiblement nulle part. Je reste frais. Ah oui, c'est voilà, c'est là-bas. Je reste frais. Ok, putain, 50 minutes de live pour ça, quoi. Se faire bolosser trois fois. Bon, alors, tous les connards qui me disent Iron Bull, meilleur tank, machin, je leur chie dans la bouche. Hein. Meilleur tank, c'est le mur noir. C'est sans conteste. Alors, potion de régène, je bourre ça. Et ça passe. Ok, il fallait juste faire ça. Je me suis vraiment fait chier pour que dalle. C'est incroyable. Merci à tous. Je suis traumatisé par les miroirs. C'est qui le patron, moi, je dis. Oh là là, terrible. Peu voilé nécessaire. Oui. Je passe en lore qu'on m'attend sur Division 2, ça marche. Mais Fox, merci beaucoup d'être venu. Des bisous et puis à plus. À la prochaine.
feu voilé. Attendez, je peux juste faire ça. Non. Zipty note. J'ai jamais appuyé. Pécatin qui... Comment on dit chez moi? Salut mon pote. Comment on dit chez moi? Attendez. Attendez. Oh les, moi les énigmes à la con là, hein. Alors, les solus. Trop d'amour ce Michel, mais évidemment, évidemment. Alors, Dragon Age Inquisition... j'ai pas passé 40 minutes en live pour me faire chier avec des énigmes à la con, hein. Voilà, ça va bien. Merci, merci mon cul. Alors... Ah oui, alors ce site, il est atroce. Ce site est absolument immonde. Les quêtes. Oui. Alors, où est-il? Les friandises pour chien coûte. Putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. La bibliothèque fragmentée, oui, oui. Ok. Refuge de l'érudit. Montez l'escalier jusqu'à une grande fresque elfique, lisez les notes de recherche sur la table, puis contournez le muret par le coin sud-ouest, traversez les femmes violettes en... Ok. Juste à côté se trouve un livre, La trahison du loup, qui est une des quatre notes à trouver pour le dialogue supplémentaire. Oui, d'accord. C'est où? Ah, attendez. Traverser les flammes, hein, continuer tout droit jusqu'au coffre dans le coin nord-ouest. Il y a un coffre dans le coin nord-ouest? Quoi? Il y a un coffre dans le coin nord-ouest, je m'en vais. Ah, ça, c'est un coffre, ça? Ah oui, c'est un coffre. Totalement un coffre. Ok. Je reste frais. Hein. Je sais qu'on dirait pas, mais je reste frais. Ciseau de lyrium, petit book, petit lookbook, and then, revenez sur vos pas, quoi, non, il y a aussi une énigme au feu voilé sur cette île, alors revenez dans la fresque et descendez l'escalier pour déclencher le dernier mécanisme rouge au sud, non c'est pas ça, la plaque est au sud-est, sous la statue du loup, l'énigme est ici, quoi. Plein le cul. Dans l'escalier, ouais. Pour résoudre cette énigme, il faut revenir dans la zone précédente. Avant que le bouton de la statue ne s'éteigne, c'est faisable en sautant directement derrière la statue, en laissant vos compagnons devant la sortie. Attention, si vous avez déclenché le mécanisme rouge du refuge des érudits, des ennemis arrivent entre temps. Ok. Ok, prenez l'escalier derrière la fresque. Attendez. Attendez. Donc il me faut un sbire. Non, non, reste où t'es. Reste là. Toi, tu restes là, toi. Putain, c'est encore... Salut mon pote. Putain, il y a du Michel, là. Toi, tu hold position. Voilà. Toi, tu ne bouges... Je t'ai dit de pas bouger... Toi, tu hold po. Voilà. Mais putain, mais... Je la déteste. Je t'ai dit de rester là, espèce de connasse. Bon, ok. On va faire autrement. J'ai envoyé le mur en noir. Ah, mais c'est super technique, hein. Je sais que vous vous en rendez pas compte, mais c'est hyper technique, hein. Ok, vous êtes prêts? Donc, toi, tu don't move. You... Ah bah c'est bien, elle est restée là. You don't move, hein. Ah putain, Slav qui me balance un ASMR. Détestable. Alors, on va faire un petit ASMR parce que j'en ai plein le cul. Donc là, je vais essayer de lire la solution pour comprendre.
ce moment pour nous faire un petit ASMR de la souffrance ultime. Lisez l'inscription sur la plaque, ça c'est fait. Prenez l'escalier derrière la fresque avec les flammes violettes, après les flammes violettes, et appuyez sur le bouton devant la statue. On voit une petite lueur en sortir, se diriger en dessous puis sortir par l'éluviane. Cliquez sur le portrait du compagnon, resté devant l'éluviane et sortez vers la tour brisée ou tombez au sud. Interagissez avec les torches allumées pour récupérer le feu voilé. Retournez devant la statue du loup dans le refuge de l'érudit et allumez la coupelle de la statue. Ça a l'air dégueulasse! Ok, donc j'appuie sur le bouton. Maintenant, je prends le mur noir et je fais entrer. Du coup, là, normalement, j'ai la possibilité de récupérer du feu voilé dans les coupelles en dessous. Et effectivement, elles sont allumées. Je prends ma torche de feu. Putain, je vous déteste. Normalement, les torches de feu voilées s'éteignent pas quand on les prend et qu'on les drop. Ok, connard. Pourquoi ils me remettent 12 000 fois les mêmes? C'est une mythe merde. Bon là, vous allez pas trop m'entendre, mais c'est pas grave. On va leur embourrer plein le cul. Du cul au cou, ma bonne dame. Là, ils vont regretter de m'avoir cassé les couilles. Et donc maintenant, il va falloir que je revienne avec ma torche de feu voilée dégueulasse. Casse-toi, toi, dégage de là, tu me saoules. Dégage, connard. Je peux m'énerver. Attendez, je sais plus jouer, je suis une catastrophe. Là, je mets une petite cage statique dans son cucu. Right in the cucu, comme on dit dans le milieu. Là, c'est très fort parce que la musique s'excite pour que dalle. Et que c'est pas clair, mais c'est pas grave. Ok, ASMR viol, c'est un peu ça, ouais. Je me sens sale. Du coup, j'ai très envie que tu nous fasses une imitation de saut. Ah non, non, non. Non, non, ça, c'est pas négociable. Mais que c'est Cygnus. Ok, donc là, je vais reprendre cette putain de torche de feu. Vas-y, ta gueule, toi. Ta gueule, connasse. Qu'est-ce qu'il dit déjà, Finkelkraut? Pauvre con! Pauvre con! C'est ça. Évidemment. Et donc là, je reviens. Là, je reviens avec ma torche de feu voilée dégueulasse. Ah, c'est bon, c'est fini. J'en ai plein le cul. Putain, vous voulez pas cotiser pour la blague des deux beaux gros chiens de Michel de Pujadas, quoi. Sérieusement. Oh là là, petite ASMR. Je vais pas pouvoir comboter mon ASMR. Bah non, bah du coup non. Et donc là, il faut que je repasse. Ah oui, non, mais je peux tout. En fait, j'avais oublié, mais je peux mettre ça parce que du coup, je suis invincible pendant quelques secondes, c'est ça? Ah oui, bah voilà, mais sinon, je sais pas pourquoi je m'emmerde. C'est pas crédible en ASMR. Bah, c'est pas trop le but, je crois. T'as oublié le gna gna gna. Voilà, c'est ça. Gna gna gna. Pauvre con. Pauvre con. Deux fois, c'est important. Désolé, mais c'était tellement tentant. Oh, au final, ça m'a un peu détrigger. Tout ça pour la merde. Quoique, dégâts de givre, ça peut être plutôt coolos. Plus 8 de volonté. Mais attendez, mais volonté, ça leur sert à quoi? Enchantement au froid. Toutes les attaques armées infligent des dégâts de froid. Possibilité d'infliger des dégâts de froid dans une zone. Ouais, ok. Ça s'upgrade peut-être. Ça s'upgrade peut-être. Et c'est tout? Alors que si c'était vraiment cringe... Alors que ce qui serait vraiment cringe, ce serait de faire un ASMR en reprenant les dialogues du mec qui faisait l'apologie du viol doux. Oh, ah, c'était tellement cringe ça! Oh là là! Alors après, si vous voulez des trucs un peu sympas en ASMR, vous pouvez chercher... Vous pouvez suivre la page ASMR politique sur Facebook. Ou un ASMR du violon. Ah ouais. Je te mange le mulet. Joue-moi un petit ricoton. Ou je te mange le mulet. Le violonneux Daniel. Avec son petit jeans noir. Et sa chemise blanc cassée. JPP. Joue-moi un petit rigodon. Joue-moi un petit ricoton.
Ah ouais, non, le mec qui parlait du viol, d'où là, il était... Ok, je note. Oh, quel enfant. Je vais les défoncer. Hein. Mais quel connard, d'où il sort de la cage statique, putain de merde. Voilà, et il va être imbutable. Attendez-moi bien. Hein. Vas-y, toi, tu vas manger tes morts, toi. Oh, je l'ai... Ah non, putain, j'ai cru que je l'avais expédié à l'autre bout du monde. Par contre, peut-être qu'avec ça... Hein, il bouge pas, il est solide. Hein. Solide sur ses appuis, le garçon. Ah, le violonneux de l'horreur. Ouais, non, lui, il était dégueulasse. Hein. Ça, c'était intolérable. Hein. Petite cache statique là-dessus, sur le garçon, là. Oh là là, c'est chiantière. Toujours là pour partager des idées bien dégueulasses, terrible. Ah non, mais la page ASMR politique, elle est sublime. Hein. C'est vraiment, c'est du grand art. Qu'est-ce que... Ok. J'ai pas compris ce que t'as fait, mec. Il est dans son comportement ben ouais, là. Hein. Sinon, il prend des dégâts un jour. Et le viol doux, c'était pire. Ah ouais, non, c'était vraiment... Ça, c'était vraiment... Pire que cringe, quoi. Ce truc-là, mais... ça donne... Enfin, le mec-là donne des envies de meurtre. Tellement trash, quoi. Après, si vous voulez passer un moment un peu malaisant, vous pouvez aussi regarder l'interview de Patrick Sébastien chez... chez Ruquier. Par pitié, ne me les remettez pas. Hein. Non, c'est bon. Vous pouvez aussi regarder l'interview de Patrick Sébastien chez Ruquier, où dans son livre, il dit clairement que, bon, finalement... Il s'est pris des tartes quand il était gosse, mais c'était pas si grave, quoi. Parce que c'était des bonnes tartes et que son père, il les a données, il lui a donné par amour. Alors lui, il est incapable de frapper ses enfants. Hein. Mais son père lui a mis des patates et... Mais c'était parce qu'il avait fait une connerie. Alors du coup, c'était legit. Devant Yann Moi qui a été un enfant battu. Plaisir. Immense plaisir. Ah non, il me donne pas les envies de meurtre. Les envies de viol. Ah non. Voyons. Il n'y a que des Kunari bibliothécaires et des araignées en ennemi. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu la pauvreté, quand même. Alors, en même temps, les Kunari, j'ai l'impression qu'eux-mêmes savent pas pourquoi ils sont là. Mais en tout cas, comme l'avait proposé Mathieu Sommet. Non, mais faut pas inciter. Pas appeler à ce genre de choses. C'est débile. Par contre, on peut lui chier dans la bouche. Ça, c'est autorisé, ça. Ça, vous avez le droit, ça. Ça, y a pas de problème, quoi. Oh, je saute complètement du coq à l'âne. Hein. Je sais pas si vous avez vu cette histoire de la vieille qui s'est fait tabasser pour avoir dénoncé un snack ouvert pendant le couvre-feu. Ça, c'était un grand moment, hein. Putain. Donc voilà, apparemment, c'est conseillé même pour ce que tu proposes. Apparemment, une vieille aurait été agressée et tabassée parce que... Non, mais attends, la chute est incroyable. A été tabassée parce que elle a dénoncé un snack ouvert après le couvre-feu. Donc apparemment, sa petite fille a posté son visage tuméfié sur les réseaux ou un je sais pas quoi. Et en fait, ils ont un peu enquêté et il s'avère que ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, elle est arrivée dans le kebab... Fin bourré. Après le couvre-feu, effectivement. Et le snack était ouvert parce qu'en fait, il fait des livraisons par Deliveroo, donc il a tout à fait le droit. Et elle a mis un gros coup dans les burnes du gérant. Et s'est ensuite tabassé la gueule toute seule sur la vitrine. Pour ensuite aller porter plainte et dire qu'elle avait été agressée. Bon, évidemment, les flics ont un peu creusé, quoi. Donc ça, c'est pas particulièrement bien tenu. Voilà. Hein. C'est du délire complet, ça. Non, mais c'est incroyable, ça. Enfin, un mec qui justifie les patates qu'il s'est prises, c'est pas au même niveau qu'un mec qui justifie les patates qu'il a mises. Non. Mais ça n'en reste pas moins dégueulasse. Quand tu... En fait, si, d'une certaine manière, tu le justifies un peu, parce que, bon... Finalement, il justifie que son père lui en ait mise, mais en disant « Ouais, mais moi, je le ferai pas. » À un moment, tu peux pas tout dire en disant « Ouais, mais moi, je le ferai pas. » Bah... Ouais, mais non, en fait. Enfin...
Non, tu tapes pas un gosse, quoi. Tu tapes juste pas un gosse. Fin de l'histoire. Y a pas de débat outre mesure, quoi. Ouais. Ah, quand même, quoi. C'est un peu ce que je me suis dit quand j'ai lu l'article. Donc, ouais, grosse ambiance, hein. Grosse ambiance. Enfin, un peu dialogue de sourd en même temps, parce que bon, il est face à Yann Moix qui s'est fait battre quand il était gosse. Ça dépend. Ça dépend de quoi. Il a le droit de pardonner quand même. Non, parce qu'il le dit pas comme ça. C'est-à-dire qu'il pardonne pas son père. Il le dit avec nostalgie en parlant du temps de la violence light. En disant, bah en gros, moi je me suis pris des coups de martinet sur le cucu par mon père. Et puis on se bastonnait dans les bars, et puis dans les balles musettes, c'est la bonne ambiance. Il justifie, il pardonne pas, c'est exactement ça. Alors après, je l'ai peut-être pas bien introduit. Certes, tu tapes un gauche, je suis d'accord. Mais du coup, il le legit un peu quand même. Tu peux pardonner sans cautionner et justifier l'acte. Il y a de ça, mais il parle même pas de pardonner à son père, en fait. Je pense qu'il a passé au-delà de l'étape du pardon, puisqu'il dit un truc du style « Moi, aujourd'hui, je regrette de pas pouvoir les mettre. Genre, je suis incapable de taper un gosse, mais franchement, des fois, ça me démange, quoi. » Et c'est chaud. Moi, je trouve ça super chaud. Oui, je l'ai vu. Ouais, ça a quelques années déjà, hein. Je crois que ça a 2 ou 3 ans, maintenant. Et allez, c'est reparti! C'est reparti pour s'en prendre plein le cul, plein le cul, plein le cul! Vivante de la brèche, porteuse du changement, héroïne du sud. Votre travail. Ouais, t'es. Le Kun a laissé votre peuple manier sa propre magie. Alors. Après, effectivement, oui, t'as le droit de pardonner ton daron. Ou ta daronne qui t'a mis des patates. Conséquence, le. Qui est cet agent? Sans pour autant cautionner, comme dit Aslav. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'il fait, quoi. Suivez-moi au Darvarad. Au Darvarad. Darvarad Tamir. Bon, là, on a un tank qui tient à peu près la route. Oh là, oh, ça, c'est une belle stack pour la cage statique, ça. Oh, ça, c'est de la belle stack, ça. Et là, il va y avoir des fonçages de cucu, là. Ça va être pour leur petit cul. Ah, j'aurais peut-être pu recharger mes potions autres. J'ai pas été malin là-dessus. Allez, attention. Deuxième tour. Étrangement, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux se passer, là. Ils sont où? Ils sont... Je veux m'enfuir? Quand tu es dans mes bras? Attendez, ils sont où, là? Ceux qui me balancent des... C'est le Sarbas qui me fait chier, là? Ah non, c'est l'autre connard, là. C'est lui, là. Il est là, messire, il est là! Je vais lire ton message, Léonard, hein. J'ai vu, mais... Je suis concentré, là. Concentre à Ted, là. Allez, recharge la cage tactique, nom de Dieu! Mais non, de Dieu! J'aurai votre peau! Merde, on en a perdu un, hein. C'est qui? Ah, c'est Varric, super. Je suis dans le au pire endroit, là, pour faire ce que je fais. Dégueulasse. L'idiot du village, qu'on l'appelle. Il a été raise. Ah bah là, étrangement, là c'est sous contrôle, quoi. C'est under control, là. Le Sarbas, il est où? Putain, il est toujours... il me cherche toujours des points. Salaud. Oh, le Sarbas. Oh là là, c'est imbutable. Il est vraiment imbutable. Il prend 0 dégâts. C'est infernal. Je vais lui mettre un petit coup de... Ok. Mais il prend super cher avec ça. Mais en même temps, elle fait mal cette technique, mais elle en sert jamais. C'est peut-être ça aussi mon grand problème dans la vie. Ouais, bah c'est bon, Dorian, il est grand, hein. Ouh. Ok. Il y en a encore? Non, c'est bon. Ouais, je suis d'accord, mais je pense qu'on rentre dans une part de subjectivité. Est-ce qu'il cautionne? Est-ce qu'il relativise? Est-ce qu'il pardonne? Par contre, en toute objectivité, grave, tu tapes pas un gosse, quoi.
D'ailleurs, argument à ce sujet, non mais ça va pas, tu sais combien ça vaut un enfant cassé en bon état? Alors déjà, non mais en fait le problème c'est que au-delà de la part de subjectivité, il le balance dans un livre, donc qui sont ses mémoires, où il te le vanterait presque avec nostalgie en fait. En mode bah c'était mieux avant. Et en fait c'est ça le problème, c'est qu'à mes yeux il cautionne un truc sous prétexte que c'est vieux, mais ça reste dégueulasse. Concernant Patrick Sébastien, le rapport qu'il a avec la paternité, je pense que pour mieux le juger, il faudrait avoir aussi un fils qui se tue en moto. Ouais. Bah après, je suis pas au courant de sa life. But ça change pas qu'à mes yeux, quand tu justifies un peu le fait de taper tes gosses, enfin de taper des gosses, de manière générale. Parce qu'en fait, il le dit de manière générale en fait. Il donne pas son avis sur la question. Je comprends maintenant. Il donne pas son avis pour lui, il donne son avis pour tout le monde. C'est ça le problème. Alors c'est peut-être la formule qui est maladroite, hein, je dis pas le contraire. But ça n'empêche que in fine c'est ce que les gens comprennent. C'est pour ça que ça gueule. Et je trouve ça un peu normal. Alors c'est peut-être maladroit, mais le problème c'est qu'en fait quand tu lui en parles, il dément pas quoi. Il va te dire oui bah c'est bon, moi je m'en suis prise et pourtant je suis pas quelqu'un de faible et machin. Passe moyen quoi. Après concernant le lore du mec, bon bah c'est une chose. Mais ça justifie pas de tout dire quoi. C'est pas parce que t'as vécu des trucs que t'en deviens intouchable. D'un point de vue de ce que tu dis, quoi. Mais bon, c'est un débat tellement... Tellement vaste que... Je pourrais pas le traiter, quoi. Oh là là, j'en ai pris plein mon petit cul. Ils vont pas me remettre un combat juste derrière, hein, rassurez-moi. Ils vont pas faire les bâtards à ce point-là. Ah là, il y a un Eluvian. Y a-t-il du loot? Quand sait-on? Quand sait-on? Pas grand-chose, finalement. Je pense que je peux fermer ça. Ça, je peux fermer, ça. Bah, in fine, je pense que c'est la victime, donc lui, qui a le dernier mot. Ouais, à son égard. Mais pas à l'égard des autres. Pour ce qu'il a vécu, subi. Oui, non, mais c'est une chose. Sauf que là, comme je te dis, il parle pas de son vécu. Il justifie ça comme étant normal. Et il le justifie aux gens. Il dit pas que c'est par rapport à son vécu. Enfin, il le dit, mais il considère pas que ça se limite à ça. C'est ça le problème. Visiteur, client, bienvenue. Les salles. Et du coup, quand derrière il dit que lui, ça l'embête de pas pouvoir mettre des tartes en gros à son gosse. Vous pouvez parce qu'il en a pas la force. La vida sala est allée. Oui. Si, je trouve ça un peu. Ah, mais là, je suis d'accord. Voilà, c'est ça en fait, c'est juste ça, hein. Emporter une clé de pierre au Darvarad. S'il parle de son vécu, c'est ses mémoires. Alors oui, mais ensuite, il... enfin, c'est ses mémoires, il a quand même un propos de société, tu vois. Enfin, l'impression que j'en ai, c'est qu'il justifie un propos de société. Et dans la justification qu'il en donne derrière, sur l'explication dans le talk show, pour moi, c'est ça. Attendez, comment je passe ça, moi? C'est elle m'a dit, l'autre con, trouver la clé de pierre qui permet d'accéder au... Quoi? Ah non, pas encore une énigme à la con, je vous en conjure. S'il parle de son cucu, c'est son problème. Hein? Non, en fait, moi, ce qui... Voilà, vraiment le truc qui me gêne, c'est qu'il dit ça comme si... c'était le bon vieux temps, c'était normal, quoi. C'est ça qui me pute un peu, en fait. S'il l'avait pas extrapolé à un propos de société, ça m'aurait pas gêné, mais il le fait un peu, quoi. Donc, ça me trigger un peu. Après j'ai un problème, enfin j'ai un problème avec ce sujet là. Pas que j'ai un problème, c'est que c'est un sujet qui me trigger énormément. Ah, petite énigme à la con. Ce sont les notes de la vida sala. Ça emmerde tout le monde tôt ou tard de foutre des tartes à son gosse. Tout le monde te le dira, surtout durant le confinement, mais évidemment quasiment personne ne le fait. Non, mais bien sûr, mais il y a une différence entre avoir envie de le faire et le faire. Et il y a une différence entre le faire et ensuite le justifier. Pas tout mélanger. Mais tu sais, je vais te dire un truc, hein, Léonard. J'ai 7 neveux et nièces. J'ai pas encore de gamin, mais j'ai 7 neveux et nièces. Quand j'ai les 7 sur le dos, je peux te jurer que des fois, ça me casse les couilles. Mais vraiment, genre, il y a des fois, j'ai envie de taper. C'est humain. Il y a des adultes, j'ai envie. Enfin, quand je dis j'ai envie de taper, je le ferai jamais, par contre. J'ai pas envie de le faire. Je me refuse fondamentalement à le faire, je l'enverrai au coin. Mais oui, je peux comprendre. Et c'est aussi pour ça que le nombre de violences.
au sein du foyer ont explosé pendant le confinement, c'est parce que les gens sont sur le dos des autres et qu'ils pètent un plomb, quoi. Mais je parle pas de l'envie de le faire, là. Je parle de l'acte. C'est ça la différence. Il y a beaucoup de gamins qui se prennent encore des tartes actuellement et dont les parents justifient ça en mode « ça va pas les tuer ». Il y a de ça aussi. Ah, c'est... En fait, j'adore ce jeu parce qu'il y a vraiment plein d'énigmes à la con et c'est toujours un plaisir d'essayer de les résoudre. Pourquoi j'ai pris des dégâts ? Ah, attendez ! C'est parce que j'utilise pas mon... Ouais, d'accord. Peut-être que je me serve de ça. Pourquoi je m'emmerde ? Je sais pas pourquoi je m'emmerde. Le tome régné. Alors, est-ce que un petit bouclier de mort... Ah, c'est toujours des grands real talk hein, sur ce stream. Hein. Oh vache! Donc c'est pas anodin de pas entretenir ce genre de bon vieux temps malsain. Ouais, violent malsain, voilà. C'est ça. C'est ça que je sous-entendais aussi. Indirectement. Et c'est vrai que du coup, c'est totalement à propos par rapport à ce que disait... à ce qu'on a évoqué par la suite, quoi. C'est bon, j'ai trouvé... J'ai la clé. J'ai trouvé une clé de pierre, oui. Ouais, ouais, j'ai la clé de ces morts. Vas-y, vas-y, merci, merci. Très serviable. J'étais le lien. Ah, ta gueule. Écoutez... Écoutez le mur noir. Bah, j'attends vous savez, que ça. Hein. Quand je voyageais seul, je combattais des bandits par-ci, des chevaliers ivres par-là. Rien de bien folichant. Je retrouve l'Inquisition et deux minutes après... On affronte des assassins Kunari mystérieux dans une bibliothèque irréelle. Des regrets, Reynier ? Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Reiner ! Reiner ! Ok. Enfin bref, je vais citer Verino. Donc la loi contre la fessée a été votée. Les gens ne doivent donc plus frapper les enfants, car une loi le leur dit, parce qu'ils sont pas capables de le comprendre tout seuls. Alors il y a un peu de ça, oui. Après ça, c'est on adore en France passer des lois pour infantiliser les gens et les déresponsabiliser totalement. Enfin, je dis les déresponsabiliser. Le problème, c'est qu'à force de passer des lois, tu finis par enlever les bons réflexes des gens. Je crois. Hein. Je dis ça, c'est pas scientifique ce que je dis. Hein. C'est ce qu'il dit dans le fond, hein. La forme exacte, je m'en rappelle pas. Oui, non, mais bien sûr. Je rebondissais en disant que je... Et là, ils me remettent les bibliothécaires. L'enfer. Ouais, je vais faire une pause. Mais oui, voilà, c'est ça. Fondamentalement, c'est ça. Alors qu'on sait, et ça, c'est des études, que les enfants battus ont tendance à frapper... ont plus facilement tendance à frapper leurs gosses que les autres. Un passif, hein, forcément. Patrick Sébastien sur 20. Bah, ce réflexe-là, il l'avait pas. Non, celui-là, il l'avait pas, mais je parlais de plein d'autres choses. Enfin. Oh, un petit bouquin. Je me souviens notamment de cette histoire de loi où t'avais pas le droit de fumer. T'as pas le droit de fumer dans ta voiture quand t'as un gamin à côté de toi. Bon, bah, c'est évident que tu fumes pas dans la gueule de ton gosse, quoi. Déjà, tu fumes pas dans la gueule des gens. Tu fumes, c'est perso. Donc. Des fois, il y a des contextes où c'est pas de bol, hein. Quand t'es en terrasse et que ton pote à côté, il prend le vent, bon, bah, des fois, il dit rien et il est gentil, quoi. Vos agents confirment la présence de barils de Gatlock au palais de Dillon. Ah. Oui, et à Val-Royau. Et dans les marches libres. Le palais d'hiver n'est pas la seule cible. Les Kunari sont à deux doigts de détruire toutes les maisons nobles de Tedas. Il y a un avantage. Avertir les ambassadeurs leur rappellera la valeur de l'Inquisition. Pas s'ils savent que l'Inquisition est responsable de cette menace. Mais on n'est pas... Mais comment ça c'est notre faute? C'est nous qui les avons laissés entrer? Oui. Comment ça? Le serviteur elfe qui s'occupait des barils. Pardon? C'est Nol qui laissa penser que c'était un espion Kunari. Mais ce serviteur était orlésien. C'est donc Orlaïs qui est en cause, pas l'Inquisition. Les barils étaient inscrits dans le manifeste de l'Inquisition quand ils sont arrivés au palais d'hiver. Comment ça? J'arrive. On s'est livré une guerre si nous ne pouvons même pas. J'arrive. C'est la fin de la cutscene. Non. Sa femme bosse dans une maternelle et ils ont dû appeler un parent parce qu'un gosse frappait les autres et les parents ont répondu qu'ils étaient désolés, ils le savent et lui disent de pas frapper. Il lui colle des tartes encore et encore pour lui dire de pas frapper les autres et il comprend pas. Entre ça et les parents qui disent « Oh bah ça c'est bien mon fils !» Putain.
Putain, j'y pep quoi. Bah, je vais faire une pause. Hein. Ouais, qui est responsable en fait? Vous savez qui a ajouté les barils au manifeste de l'Inquisition? Oui, plusieurs ouvriers elfes de l'Inquisition ont disparu. Salaud d'elfe. Je me suis renseigné sur eux. Tristesse. Ils ont rejoint l'Inquisition après avoir fui le chaos de Kirkwall. Je me souviens quand Kirkwall était au plus bas. De nombreux elfes se sont convertis aux Kun dans l'espoir d'une vie meilleure. Mm-hmm. Et les Kunari en ont fait des espions. Bah c'est super. Il y a quelques années, on a accusé les mages de Golfalois de corruption. Et on a fait la même chose aux gardes des ombres. Regardez-nous maintenant. J'ai lutté. Bon, il me rappelle Owen dans The Last of Us 2. Je n'ai pas fait The Last of Us 2. Et pourquoi? I do know. Mon meilleur ami, prof en primaire, avait des parents qui disaient « S'il vous fait chier, vous pouvez lui en coller une. » Les espions ne sont pas le problème. Vous avez caché le corps du Kunari, pris le contrôle du palais d'hiver. Nous avons agi par devoir. Pas par intérêt politique. Avez-vous la moindre idée de ce que tout cela nous a coûté? Orlaïs et Ferelden préparent... Ouais, ça va, calme-toi. On va faire de l'éducation, quoi, c'est ça. Ils ont peut-être raison. Ah, redescendre du trait de kétamine. Terrible. La fin des haricots. Quoi? Oh, putain de marque. Elle va vraiment dire le... T'as pas fait The Last of Us? Bah non, j'ai pas de PlayStation. J'ai fait le premier, j'ai adoré le premier. J'aimerais beaucoup faire le deuxième, mais j'ai pas envie d'acheter une PlayStation juste pour ça. Du coup, j'attends qu'il soit porté sur PC ou d'avoir un pote qui a une PlayStation pour le faire. Mais il paraît qu'il est incroyable, hein, je sais. Il paraît que c'est un chef-d'œuvre et je doute absolument pas une seule seconde que ça puisse être un chef-d'œuvre vu que le premier est déjà sublime. Mais non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait que... Allez, je vais chialer un peu. Et je pensais que ça allait. Elle est stable depuis des années. La musique a pété un plomb d'un coup. Tous ces démons que j'ai vaincus, ces failles que j'ai refermées. Je ne veux pas mourir. Putain, qu'est-ce que la musique en fait des caisses. En sachant que le monde a encore besoin de moi. Direction. Le Darvarad. Ouais, en fait, c'est aussi ça le problème de ce DLC, c'est qu'il est kitsch à mort, quoi. Bon, je vais pas dire que le jeu était pas kitsch, hein. Ah oui, c'est vrai que... Putain, c'est vrai que c'est son cum. Bah non plus, j'ai pas envie d'acheter une console juste pour ça, ça m'emmerde, quoi. Souhaitez-vous que nous informions le conseil... J'attends ta pause et gigot, ça marche. C'est ça que j'ai voulu, celle de mon petit cousin. Non, mais si, on va leur dire. Oui. Si on échoue, le conseil exalté doit savoir ce qu'il s'est passé. Je les informerai personnellement. Non, je déconne. Ouf. Je peux. Non, votre tâche est assez lourde comme ça. C'est ma responsabilité. Ok. Pas mon cirque, pas mes singes. Elle a le wifi, j'avais pas vu, sur son chapal. Putain, c'était si brutal. Ok, bon, petite pause. Petite pause, les jeunes. Léonard, aucune retenue. Bah, il en a jamais eu, hein. C'est pas maintenant qu'il va commencer, hein. Connais la bestiole, hein. Ouais, petite pause. Oh, le Miracle End, quoi. Ouais, c'est trop ça. Le Miraverse. Toute une mythologie. Beaucoup de love. Surtout beaucoup de love. Bon, petite pause, les jeunes. Bah, du coup, Aslev, Sizigo, je te fais des bisous, hein. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, on se retrouve soon. Du coup j'y vais, ça marche. Bah des bisous Nacho, merci beaucoup d'être venu, puis à la prochaine. Bonne soirée à toi. Et je reviens dans 5 minutes les jeunes. Et voilà, à tout de suite. Des bisous. Salut mon pote. Salut mon pote.